Salut, je suis Christelle d'ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais parler doucement, donc mettez votre casque. J'avais envie de faire une petite vidéo très rapide que j'aurais dû faire aujourd'hui, que j'ai pas pris le temps de faire dans la continuité de réaliser son unité. Alors, en lien, hein, ça va pas parler forcément de l'unité, mais c'est en lien avec l'unité. Pourquoi? Parce que l'unité est en lien aussi avec le fait de se souvenir. Se souvenir pour certains qui on est et qu'est-ce qu'on est venu faire ici-bas, d'une part. D'autre part, l'unité est en lien avec ne pas répéter les mêmes erreurs du passé. Et donc, ça, c'est en lien avec la notion du nettoyage. Il y en a qui doivent se souvenir de qui ils sont, ce qu'ils sont venus faire ici-bas sur la planète Terre. Même s'ils s'en souviennent pas, ils le font quand même, et d'aller vers plus de conscience. D'autres, c'est se nettoyer du passé pour pas refaire les mêmes erreurs. Et c'est ceux qui sont venus. Ben, maintenir l'équilibre, qui sont venus avec une mission précise, celle qui consiste à maintenir l'équilibre, qui doivent se réveiller pour être à leur plein potentiel de maintenir l'équilibre. Parce qu'en fait, toute la création répond à des cycles. Mais dans la dualité, dans les plans de conscience, en tout cas ici-bas de la dualité, eh bien, ici-bas, il y a des notions de répétition qui ont été instaurées. Ces répétitions sont en direct avec, en live, en direct live avec son lien avec ce qui s'est déjà produit sur la planète Terre. En fait, sur la planète Terre, je vais m'avancer, je vais avancer le micro. Il y a déjà eu des destructions massives de plusieurs humanités, je pourrais dire ça comme ça. Donc, humanité, c'est-à-dire des êtres humains. La planète finit toujours par se régénérer, mais les êtres humains, il y a un cycle qui se répète. Et de ce cycle de catastrophe, de chaos, voilà, il en suit des engrammements, c'est-à-dire y a des choses qui se répètent parce que ben, dès lors où on vit du chaos, ce chaos s'engramme en nous, s'engramme dans la planète Terre. 100 grammes un peu partout, mais particulièrement en nous. Et donc, ben, qu'on soit du côté des gentils ou des méchants, on a tendance à répéter les mêmes choses. Sauf que de génération en génération, ça s'édulcore, plus ou moins. Mais pas forcément. Donc, il y en a qui répètent inlassablement les mêmes choses tout le temps parce qu'ils ne travaillent pas sur eux pour modifier leur schéma. C'est les races hybrides. En fait, on a tous été plus ou moins hybridés dans notre génétique, hein, créés par des races exogènes. Et selon ben, de quelle lignée on provient, ben, c'est plus difficile d'aller vers son unité, c'est-à-dire de se nettoyer. Il y a une telle scission en nous que ben, du coup, on a tendance à. Alors, certains ont tendance à répéter les schémas, malheureusement, qui restent inconscients ben, du fait qu'on est manipulé par le passé. Et on est tellement scindé que ben, on répète, donc c'est plus ou moins, je vais évoquer celles et ceux qui nous gouvernent, celles et ceux qui perpétuent le chaos, qui perpétuent toujours les mêmes trucs, hein, le Ouroboros, souvent c'est les races reptiliennes patriarcales, mais pas que. Parce que ça répond à un schéma ben, qui correspond à leur fonctionnement, qui correspond à l'ordre établi, qui correspond au pouvoir, qui correspond à la destruction, qui correspond on pille les ressources, enfin, bref, des trucs qui amènent irrémédiablement au chaos, tout le temps. Tout le temps. L'ouroboros. Pour moi, l'ouroboros, c'est les schémas qui se répètent en permanence et qui font que on n'arrive pas à évoluer. On répète toujours les mêmes trucs parce qu'on est. On répond aux schémas du passé qui sont engrammés en nous. Et certains sont tellement scindés dans leur polarité, eh bien, ils ne répètent que cela. Et ça mène irrémédiablement à la destruction. Et puis il y a ceux qui sont plus ou moins hybridés avec ben, de l'ADN matriarcal, originel, donc en lien avec la conscience universelle, qui peut émerger en soi, ça prend du temps, mais ça peut émerger. Et donc c'est ceux-là qui ont la capacité aujourd'hui peut-être de réaliser leur unité, et par là empêcher le karma collectif de se perpétuer. Parce que c'est ça qui est en train de se passer. Et nombreux se sont incarnés sur la planète pour éviter cela, pour générer de l'équilibre pendant que le déséquilibre est en train de surgir, généré par des êtres inconscients, voilà, inconscients de réalités négatives qui se répètent, voilà, qui perpétuent ben,
des schémas chaotiques, de cycle en cycle, de génération en génération, de millénaire en millénaire, qui amènent toujours au même, de mille et une façons, au même objectif, la destruction. Parce que ben, quand on est trop dans le déséquilibre, le corps, quand il est trop déséquilibré, au bout d'un moment, on se casse en 12, quoi. Donc pour la planète, c'est pareil. Donc c'est pour ça qu'il y a une urgence. C'est une des raisons pour laquelle je me suis incarnée, enfin pour laquelle j'ai fait un bond dans le temps pour venir en ces temps propices. Mais il y a plein d'êtres sur la planète qui font cela, qui sont là pour ça, pour éviter que les choses ne se perpétuent de la même façon que ça s'est déjà réalisé de mille et une façons. Donc il y en a qui sont là pour rééquilibrer, d'autres pour créer un nouveau monde, d'autres pour faire ceci, pour faire cela, à travers votre unité, c'est-à-dire se dégager des schémas du passé, des schémas souffrants, hein, qui sont dans notre ADN, dans nos mémoires, dans les lignées familiales. Donc voilà, il y en a qui prennent beaucoup de karma, qui absorbent, comme voilà, la notion d'hyper-empathie, où on absorbe des basses fréquences pour maintenir l'équilibre à chaque fois, parce que tant que les êtres humains ne comprendront pas ils portent des schémas destructeurs en eux, d'une part, d'autre part, ils perpétuent tout le temps ces mêmes schémas, et d'autre part encore, on est des créateurs du coup, parce qu'on est tout le temps en train de... Nos pensées, paroles et actions, c'est de l'énergie qu'on projette. Et l'énergie projetée, c'est créer, en fait, on crée des réalités. Donc les personnes qui sont là pour vivre leur unité sont là pour rééquilibrer aussi, et créer des choses positives, rééquilibrer la matrice géométrique. Chacun a une fonctionnalité. Et c'est la raison pour laquelle vous devez vous éveiller. Parce que là, ça devient un petit peu urgent, vraisemblablement. Il y a des moments comme ça, il y a des pics, des descentes, des pics. Et donc la fleur de l'unité s'est incarnée dans cette dynamique aussi. C'est pour ça qu'il y a aussi tout plein de versions gratuites, parce que ce soit libre et open pour tout le monde, en tout cas pour celles et ceux qui se sentent en résonance, qui se sentent appelés, qui sentent que ça vous parle et que ben, il s'agit de les utiliser, et ça tout le temps, jusqu'à ce que voilà, ça nettoie, ça équilibre, ça ouvre votre conscience, ça fait exactement ce dont vous avez besoin à votre rythme, en respectant votre rythme. Mais un rythme qu'il va falloir accélérer, puisqu'il y a tout qui s'accélère. Donc voilà, je voulais parler de ça parce que c'est. Voilà, je sais pas si j'ai déjà parlé de ces schémas cycliques répétitifs. C'est-à-dire que pour moi, l'harmonie n'est pas une certitude. Non, ça peut être le chaos qui peut ensevelir la planète aussi. Et que nombreux se sont incarnés pour éviter justement de perpétuer à nouveau ce chaos, pour préserver finalement une humanité qui finalement ne sort pas de son karma collectif au fil des cycles. Voilà, il y a une possibilité, hein, c'est les fins de cycle, certaines fins de cycle, il y a une possibilité de pouvoir faire émerger la conscience de ceux qui veulent sortir de cette Ouroboros. Et puis certains se sont venus s'incarner justement pour aider l'ensemble de l'humanité, enfin celle qui est prête, parce que ben, peut-être que certains ne le sauront jamais, hein, tous ceux qui sont trop scindés, trop coupés, parce que ben, de par la génétique, c'est compliqué. Je le vois tous les jours, moi, des gens qui sont, bah, depuis qu'ils sont nés, c'est comme ça. Et puis 10 ans, 20 ans, 15 ans plus tard, c'est comme ça. Toujours les mêmes problèmes, toujours les mêmes. On répète les mêmes choses, en fait, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et on n'arrive pas à sortir de là, et on se nourrit de cela. On est programmé par ce passé, par cette génétique, cet ADN qui est en nous. Et ces espaces-là, bah, on ne peut pas faire grand-chose. Voilà, faut lâcher les gens qui sont comme ça. Malheureusement, ce n'est pas de leur faute. Les choses sont ce qu'elles sont, par contre, vous réveillez-vous pour faire ce que vous avez à faire. C'est super important. Vous apportiez de la joie, de l'amour, vous soyez là pour les animaux, pour créer un monde dans un monde, pour bref, ou unifier. Voilà. Moi, c'est la géométrie, hein. C'est pour toutes celles et ceux qui sont justement à l'origine, qui sont originelles de cette géométrie, hein, cette géométrie unifiée qui compose la vie harmonieuse. Qui sont en lien avec ça, avec ces codes, avec cette source-là, et bien toutes celles et ceux qui se sentent en harmonie ou qui reconnaissent ça, ben voilà, c'est un outil pour vous réveiller à qui vous êtes, et par là, animer en totalité ben, ce que vous êtes, ne pas vous laisser obscurcir par l'ambiance de la planète Terre, le chaos, ou voilà, des choses comme ça, qui parfois barrent le chemin. Voilà, je voulais juste dire ceci et puis je vous souhaite une bonne nuit.
Pardon, je parle doucement parce que je suis dans mon lit. Voilà. Je vous embrasse bien fort. À tout bientôt.